come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Run in circles, come in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. De cette interlude, vous pouvez changer le strumming, le battement rythmique et interpréter un petit peu plus. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Toujours en oh, when I rush to the stars. Running in circles, chasing tails, coming back as we are. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je continue ce genre de vidéo, pour que je continue à vous aider. Alors on commence par étudier la grille d'accords, c'est comme ça qu'il faut faire lorsqu'on commence à apprendre une chanson. On y va. Il y a ici un capodastre en case 3 pour la tonalité originelle de Chris Martin. Vous pourrez jouer par-dessus la version originelle sur YouTube avec le capodastre en case 3. Alors il s'agit d'une progression typique de 4 accords joués sur 4 temps par accord à chaque fois.
sur un jeu donc en battement, le strumming, le jeu sur une rythmique, vers le bas sur des croches. Les croches, c'est temps contre temps, 1 et 2 et 3 et 4 et, sauf que nous le ferons toutes vers le bas au début, pour s'approprier cette rythmique, pour bien la comprendre. Les refrains sont aussi joués sur ce même strumming, vers le bas sur les tons et contre temps. Alors je vous indique la rythmique originelle qui vous permettra de vous rapprocher de cette version studio, car c'est très utile de la comprendre, de la jouer pour ensuite pouvoir vous en émanciper et la personnaliser. C'est ça être un musicien, interpréter la rythmique à notre sauce, c'est le but. Mais dans un premier temps, il faut passer la chanson en entier et la comprendre. D'autant plus que c'est joli de jouer sur des temps et contre-temps nuancés. Donc, nous allons faire tourner la chanson, vous pouvez faire tourner la chanson sur les temps contre-temps type 1 et 2 et 3 et 4. Et après, vous partirez dans une personnalisation. Une fois que vous aurez passé chaque accord et que vous aurez joué cette rythmique, vous pourrez passer sur une rythmique aléatoire et interpréter comme je l'ai fait. Allez, on commence. Donc le premier accord est un Si mineur. Le Si mineur, c'est un accord barré, c'est celui-là. Soit vous faites cet accord-là si vous arrivez à faire les barrés, et si vous n'y arrivez pas, on va remplacer cet accord de Si mineur par un Si mineur 7. On dégage le barré et on fait un accord qui ressemble à ça. D'accord ? On fait ça. Corde à vide, index sur la deuxième case de la corde de La, corde à vide, majeur sur la deuxième case de la corde de Sol, corde à vide et annulaire sur la deuxième case de la corde de Mi aigu. D'accord ? Une corde sur deux. Donc soit vous le faites comme ça, soit vous le faites comme ça, en avançant les doigts. Moi, sur le diagramme, je l'ai noté de cette façon. Pourquoi ? Tout simplement, il faut avoir cette logique-là quand vous passez des accords pour vous faciliter la vie. Il y a un doigt commun entre l'accord ici et l'accord qui vient après l'accord de Sol lorsqu'on a cette position. Effectivement, l'accord qui vient après, c'est un accord de Sol. Et vous remarquez que sur l'accord de Sol, l'index est aussi sur la case numéro 2 de l'accord de La. Donc si on fait le Si mineur 7 pour notre premier accord, et qu'on passe au Sol après, et bien c'est plus aisé, car on a un doigt qu'on appelle un doigt pivot. J'en avais parlé dans la vidéo précédente sur Numb de Linkin Park, qui est un doigt qui nous permet d'avoir un maintien, un équilibre entre les deux accords qui se suivent. Et c'est plus aisé de passer d'un accord à l'autre. Si on fait ça, il faut tout enlever et tout poser, c'est pas évident. Donc ça, ensuite Sol, donc j'ai fait un super Sol. Pourquoi ? Parce que l'accord qui vient après, c'est encore le même principe, c'est un accord de Ré. Et là, pareil, on va utiliser le doigt pivot, qui est en l'occurrence l'annulaire, qui est un doigt commun entre l'accord de Sol et de Ré, et qui nous permet de jouer l'accord de Sol et de passer sur l'accord de Ré en enlevant tous les doigts, en laissant le Sol, en appuyant, en maintenant le Sol, pour garder l'équilibre, et on vient placer le petit triangle, le Ré en bas. Ok ? N'hésitez pas si vous avez des questions dans la partie commentaires, elle est là pour ça. J'y répondrai. Donc premier accord, 1 et 2 et 3 et 4 et Sol et 2 et 3 et 4 et Ré. Ok ? Vous remarquez qu'en même temps je vous ai fait la rythmique de base dont je parlais tout à l'heure, 1 et 2, donc les temps contre temps tout vers le bas. Sur le premier temps, on attaque tout et sur le contre temps, on attaque le haut, soit la base. Donc vous visez de manière précise la première note de l'accord, soit vous attaquez les deux ou trois premières cordes. Et ça nous ferait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Mais là, vous avez toutes les cartes en main parce que j'ai essayé de construire la chanson en facilitant le passement d'un accord à l'autre avec les doigts communs. Et enfin, on termine cette introduction et ce couplet par le dernier accord qui est un accord de Ré sus 2, Ré suspendu 2. Donc là, tout simplement, on enlève le majeur. C'est notre Fa dièse ici, et ça nous fait une couleur sonore différente qui est la suivante. Ré, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. On finit sur une note triste. Une note change tout dans un accord. Ok ? On va attaquer le refrain, on répète une dernière fois, on va le faire ensemble, doucement. Pensez bien, Si mineur 7, Sol, Ré, Ré sus 2. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. On va refaire 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4.
4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, vous entendez là, toutes les cordes sur le contretemps, la basse. 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est joli de faire ça. Et ensuite, vous pouvez interpréter... Croche, double croche, noir, silence, etc. Alors, donc, on a un sol, un ré. Donc, un sol qui dure donc, deux fois. Donc, sur deux mesures, on va le faire durer. on va le doubler. Ré, ré suspendu 2. Ensuite, sol, ré, ré suspendu 2. La majeur, la 7. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Encore sol, 1 et 2 et 3 et 4. Ré et 1 et 2 et 3 et 4. Ré suspendu 2. 1. 2 et 3 et 4 et sol 1 et 2 et 3 et 4 encore 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 la majeure 1 et 2 3 et 4 et 1 2 3 4 OK. Donc il y a deux interludes, des petites pauses musicales sans paroles. Donc la première interlude après le refrain numéro 1, on passe sur un ré. Donc c'est toujours 4 temps par accord. Un sol. Encore un ré. Et un ré suspendu. Donc après le premier refrain, c'est ça, ré, sol, ré, ré suspendu 2. Ok. Et la deuxième interlude, il intervient après le refrain numéro 2. Ok. Avant le pont, avant la fin en fait, avant l'outro. Vous verrez ça sur les fiches techniques sur mon site streetmamen.com. Hein. Allez voir les paroles, tout est retranscrit au-dessus. Interlude numéro 2, il dure deux fois plus longtemps. Ça commence par un ré. Ensuite un sol, ensuite encore un ré, et là pour marquer le coup, on reste encore sur ré, d'accord ? Comme c'est la fin de la chanson, on fait monter tout ça, ensuite si mineur 7, là, je me suis oublié, sol, et ré, et là pareil, on reste sur le ré, pas de ré sus 2, d'accord ? Et ensuite on reste ici sur cette tournure, si mineur 7, Voilà, j'espère n'avoir rien oublié d'essentiel. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Bon courage, bonne gratte. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je donne plein d'infos et de news sur les nouvelles vidéos à venir. Et je donne aussi plein de conseils, plein de petits bonus, plein de conseils pour progresser et s'améliorer et mieux jouer à la guitare. Voilà, vive la musique, vive la guitare et à bientôt. Ciao. Yeah.